Il est là, mais après on le verra. Ah ouais. Là, il est un peu plus cher. Attention, les deux derniers tours. Ouais. Et c'est dans le dernier tour qu'on fait l'effort. Il faut vraiment qu'on compte les coups de l'âge. Et discuter, de toute façon, vous ne courez pas dessus, entre guillemets. Partagez-vous les tâches. Ok. Allez. Je pense que j'aurai le temps, si je pars en janvier, de les enlever et tout. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, j'hésite. Are you a second Marius? Huh? You are just like Marius? Me? Yes. Marius he forgot his GABA as well. So now there's two kids. There are two kids. Marius and Fale. Oh non, tu vas être au départ pour prendre. Là j'y vais là, je crois que. Oh non, c'est on te dit ça, ça c'est sûr. C'est le mec de toi sur la dernière fois. Faut gagner maintenant, faut gagner avec cette we'll be right back.
Tarzat, after, after. De gendarmerie, prudence, il manque un drapeau jaune dans Violaine sur un obstacle sur la gauche. All is okay? No, no. You must to be in a good position in a peloton. Vas-y, accroche, accroche, stay, okay. Accroche. Oh mais t'as des freins de merde, Fabio. Garrette sur la gauche, sur la gauche, je fais le passage sur la droite pour les autres. C'est 48, Bacon, on the right, c'est 48. On les ok? Ouais. Alors, un coureur du réseau 176 tente de s'extraire du peloton. Tu as dû taper dans le village. Tu passes pas à gauche là. Le Dauphin 143 s'est relevé, de nouveau peloton groupé. Ah oui, c'est tombé fort. Ok, j'ai compris. Grosse gamelle. De Calonne sur la liste pour un peloton en plusieurs morceaux. Remonte, on te les donne. Remonte, on te les donne.
t'as des gants ou quoi? J'en ai un. Ouais, on va lui donner alors. Vandrissel Roubaix à l'arrière du peloton pour des vêtements de pluie, s'il vous plaît, Vandrissel Roubaix. Philippe Wagner, escolier jaune à l'arrière du peloton, également Philippe Wagner Bazin, escolier jaune, demandez à l'arrière du peloton. On a appelé en face. Allez, tiens. Attention, véhicule McLaren sur la droite de la chaussée. Gauche. Pour le dossard 13. What do you want? Bon? I need kit. Kit? Kit. Je reviens, rappelle-moi, j'arrive. Nada, un bidon. Pour l'accueil de l'agglomération des Sud-Ouest, Marcois les Promal. Merci beaucoup. On va dans la voiture du ministère 1. C'est quelle équipe ça? Bon, les Suisses. Dans la voiture du lieu de l'arrivée, notre ami Samuel Leroux et sa compagne, qui malheureusement ne peut pas participer à l'épreuve, mais qui participe avec nous au sein de l'organisation. Et dans une voiture du Grand Formentor prêtée par les établissements, l'empereur, M. Denis Rediki et M.
C'est bien mon grain, t'inquiète pas, je sais qu'il fait froid. Tout le monde a froid, je le sais. Allez grain, allez, on va la gagner cette course. Hein. Paris, suivez pour l'applique à l'arrière du coton pour ravitaillement. Non, non, à vous, j'ai rien eu. Eh, prends-la, hein. Là, regarde. Non, regarde, regarde. C'est froid, ça. Vous êtes à 30 secondes et devant il y a Tempo de Nantes. Hein. Donc c'est très bien mon grand, ça va le faire. T'inquiète pas, ça va le faire. Regarde, il y a Tempo, faut juste que tu rentres avec les voitures là, fais l'effort. Bon, il y a Thomas, hein, dans le groupe de... Bah, je te dis au cas où. C'est la main. Encore une carte derrière. 10 de tête et le groupe de chasse. Il y avait notre petit Alfred Jorge. C'est un guerrier le Alfred Jorge. Ah ouais. Il est là, il est fort. Hein. Et le problème, bien entendu, derrière, c'est qu'il y a les coéquipiers de Stéphane, le coureur de la Lotto, Stéphane de Schettner. Il y a les coéquipiers car qui étaient redescendus mais qui semblent encore une fois être remontés désormais pour. Et 6 hommes de tête à 35 km de l'arrivée. CIC Nantes-Atlantique, demandez à l'arrière du peloton. Morin et Daniel Arns à plus de 50 secondes, ça s'est bien confirmé. Les voici. Fais des bornes. Aïe aïe. Ouais. Ça fonctionne quand même, ils ont toujours 55 secondes. Ah ouais. Hein. On va voir ce qu'il y a derrière d'un coton, ce qu'ils prennent derrière d'un coton. Allez Thomas! Allez! Hé hey Thomas, allez, super Thomas. Allez, c'est l'avant-dernier. Ah ok, ouais. Thomas. Allez Thomas, faut y croire Thomas, faut y croire hein, vas-y. Allez Moritz, allez, allez! Allez grand, allez, 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 allez! Actuellement, trois coureurs en tête de course, le Dossard 35, 15, 15 et 23. Allez mon Moritz, tranquille. Pas impossible. Sinon je peux pas y être. Je peux pas y aller. J'espère qu'il n'y a pas les là, je l'ai dit de surtout pas les là. Dernier écart mesuré pour le peloton, 1 minute et 30 secondes. Alors que le groupe de tête est toujours emmené par le Dossard 35, Emmanuel Morin pour Van Rissel Roubaix. Et le groupe de tête à 4 km de l'arrivée. Il faut une boucle parce que. Le Dossard 15.
Toujours regroupé avec vous le 51 seul en tête. Numéro, quelle tactique pour les coureurs d'Ino X alors que pour la deuxième place, c'est 6. Ça devrait être. Oui, ça devrait être. Non, Gary! De quoi des sacs? Bah, je sais pas, on va voir. Ça parlait d'un. Enzo, faut qu'il lave les vélos, gars, il y a du temps. Non, Enzo, je le mets directement au. On sait, et on a pu remarquer bien aujourd'hui que le jeune. Donc Morichon s'est remarquablement distingué. On rappelle qu'il a brillé donc à l'Aglo à Bourg-en-Bresse. On l'avait également se distingué dans d'autres belles épreuves. Il va recevoir le trophée qui lui est remis par Virginie Souliard, vice-présidente de la communauté d'Aglo, donc maire de Gonnet. Les félicitations également de Philippe Drumetz, le vice-président au sport. Voilà, rapprochez-vous tous les deux, chacun de votre côté. Voilà, il y a même Philippe qui est en train de se dire « Bon sang que la jeune génération est grande !» Voilà, le podium est effectué donc pour nos différents champions. Et merci d'applaudir le coureur du SCO de Dijon qui a été remarquable tout au long de la journée. Et il fait partie de ceux qui demain, bien évidemment, auront les faveurs de certains pronostiqueurs.